La justice londonienne a annoncé que les causes de la mort de Sinéad O'Connor ne devraient pas être dévoilées avant plusieurs semaines. La chanteuse irlandaise de 56 ans est décédée mercredi 26 juillet. La réponse, forcément triste, qui aidera les proches et les fans de Sinéad O'Connor à avancer dans leur deuil n'arrivera pas tout de suite. La chanteuse irlandaise de 56 ans a été retrouvée morte à son domicile mercredi 26 juillet. Et la justice britannique annonce que les causes de son décès ne seront pas dévoilées dans l'immédiat. Pour cause, elle demeure encore inconnue. La London Inner South Coroner's Court a publié un communiqué qui explique qu'aucune cause médicale n'a été confirmée pour expliquer la mort de Sinéad O'Connor et qu'une autopsie sera effectuée. Les résultats de cette analyse médicale du corps de l'artiste pourraient prendre jusqu'à plusieurs semaines, a précisé le communiqué. Sinéad O'Connor, dont le fils de 17 ans est décédé en 2022, avait tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, notamment en 1999, le jour de son 33e anniversaire, et en 2015, où elle avait annoncé sa décision sur Facebook avant d'être prise en charge par les secours. La police a considéré que la mort de l'interprète du tube Nothing Compare 2 n'était pas suspecte. Mort de Sinéad O'Connor, la police raconte la découverte du corps. Dans un communiqué publié par nos confrères britanniques du Daily Mirror, la police londonienne détaille les circonstances de la découverte du corps de Sinéad O'Connor. La police a été appelée à 11h18 le 26 juillet à la suite d'informations faisant état d'une femme inconsciente qui se trouvait à une adresse résidentielle dans la zone C24, précise le document. Des officiers se sont rendus sur place. Une femme a été déclarée morte sur place. Les proches ont été prévenus. Le décès n'est pas considéré comme suspect. Un dossier sera préparé pour le coroner